Shalom à tous. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me reçoit? Dieu vous bénisse. Aidez-moi aidez-moi à inviter quelqu'un. Aidez-moi à inviter quelqu'un. Bienvenue au lieu du ciel ouvert. Bienvenue là où Dieu parle. Bienvenue au lieu d'impact, de transformation et du surnaturel. Que le Dieu d'ITS vous bénisse et qu'il vous fasse du bien ce soir. Et qu'après ces moments, votre vie ne soit plus jamais la main. Je vous prie d'être très attentif durant ces moments, car assurément Dieu nous fera du bien. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit, et nous t'ovationnons. Merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour ta conduite. Et merci par-dessus tout pour ton amour. Je te donne ces temps, je te donne ce culte. Sois promptement avec nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis bonsoir à un voisin, quelqu'un qui est juste à côté de toi, physiquement. Ou virtuellement, tu peux lui dire bonsoir. Dis bonsoir. Je m'excuse d'avance. Comme vous le savez, je suis un peu dérangé depuis hier. Mais Dieu nous fera du bien. D'entrée de jeu, Marie-Mendès, ma fille, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je n'étais pas oublié par rapport à notre rencontre avec ton mari. Par la grâce de Dieu, dans la semaine, nous verrons. Est-ce que je peux saluer mademoiselle ou madame Ebarré, Priscilla Ebarré? Est-ce que Priscilla Ebarré m'entend ici? Priscilla Ebarré. Bonsoir. Quand je parle de Priscilla Ebarré, je suis comme en train d'entendre maman Julie en train de parler avec quelqu'un. C'est comme une dame. Maman Julie, c'est comme si vous parliez à quelqu'un. C'est comme une dame. Et je vois comme une notion d'invitation ou bien. Maman Julie, vous avez invité quelqu'un?
C'est qui la dame? Est-ce qu'elle est déjà là? J'aimerais entendre la voix de Priscilla et Barré. Je veux juste entendre votre voix. Si vous pouvez me dire bonsoir, prophète. À moins que vous ayez un souci de connexion. Bonsoir, prophète. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va. C'est madame ou bien c'est mademoiselle? Mademoiselle. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand vous vous êtes connecté, j'ai voulu vous réconforter dans votre marche avec Christ. Et pendant que je parle avec vous, je parle avec tout le monde, ou je parle à tout le monde. Ce message m'est venu quand je vous ai vu vous connecter. Et la simple parole, simple mais si puissante, c'est celle qui monte dans mon cœur actuellement, qui a pour objectif de vous dire de ne pas baisser les bras. Et comme j'aime à le dire, il m'arrive des moments où, quand c'est fort sur moi, comme disent les Ivoiriens, j'aime dire « je suis indestructible ». Ça me permet de me commémorer le fait que je sois invincible. Aucune épreuve, aucune situation ne peut me déstabiliser. Et par rapport à vous, je prie que la stabilité, la constance, mais surtout cette flamme de la prière et de la présence de Dieu soit... Vous êtes fille de pasteur? Non. Ok. Sois constamment arrosé dans votre esprit. Que vraiment Dieu vous garde et qu'il vous préserve. Gardez-vous pour Dieu parce que je vois comment Dieu va faire assurément des choses inouïes avec vous. N'oubliez pas que si on veut être grand, que l'on marche avec des grands. Si on veut être riche, qu'on se donne pour ami des riches aussi. Si on veut aller très loin avec Dieu, que l'on marche avec des personnes qui, eux, portent Dieu et qui auront la capacité de nous garder sur le chemin. J'espère que vous comprenez de quoi je parle. Je comprends. Que Dieu vous bénisse. Ok, nous parlons sur les prérequis du combat spirituel. Les prérequis du combat spirituel. Et je crois par la grâce de Dieu que le lieu des esprits des prophètes nous fera du bien. Est-ce que je peux entendre la voix de Maman Rachel Dean? Maman Rachel Dean, bonsoir. Ah, my God. Bonsoir, pasteur. Prophète. Vous allez bien? Bonsoir, prophète Azaf. Ça va bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Maman Laetitia va bien? Oui, tout le monde se porte bien. Ça va par la grâce de Dieu. Préparatif, ça va bien? Oui, ça va. À vous d'être informé. C'est informé. C'est de ça dont vous vouliez parler? Oui. Maintenant, vous déjà nous informer. On ne peut rien vous cacher, peut-être. Non, là, ce n'est pas Dieu. On m'a informé. D'accord. Je prie que Dieu vous garde
et qu'il dispose et favorise tout dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous également, prophète. Amen. Les prérequis pour les prérequis du combat spirituel. Nous avons parlé de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures qui nous confèrent le zèle de l'évangile. Et hier, j'ai introduit sur le bouclier de la foi. Et je pouvais dire que le bouclier de la foi est une arme offensive, mais aussi défensive. Elle a la capacité d'attaquer comme de défendre. Son rôle premier, certes, c'est la défense. Quand on parle d'un bouclier, le rôle premier du bouclier, c'est de défendre. Mais avec le bouclier aussi, on peut attaquer. Donc, l'illustration que Paul est en train de prendre ici, c'est qu'il dit, prenez le bouclier de la foi. C'est parce que la foi a pour objectif premier de défendre tout chrétien. Permettez-moi la tautologie, qui a en lui la foi. Donc, l'un des rôles primaires de la foi, c'est de te défendre. Notre texte de base se trouve... Le nom là, ça me parle. Je vois des signaux sur le nom ici. Je vois le nom Nzuba. C'est un grand nom. Je vois des signaux sur ce nom. C'est mademoiselle, madame, c'est une femme qui est derrière ce nom, Nzuba. Nzuba. À moins que je lis mal, je crois qu'on lit Nzuba. Mademoiselle ou Madame Zuba. Oui, bonsoir prophète. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. C'est la France, le Gabon, le Congo. Comment? Vous êtes où actuellement? Je suis en France. Ok, vous êtes en France. Oui. On a déjà discuté? Oui. On a déjà discuté? Oui. Par appel? Oui, par appel téléphonique. Et on a déjà discuté par appel téléphonique. Vous êtes la femme, oui, de quelqu'un que je connais? Non, on avait discuté il y a longtemps. En fait, c'est l'autre là qui m'avait donné le numéro. Immaculé. Oui. Je vous avais appelé par l'intermédiaire de Immaculée. Ok. C'est en 2022, je crois, si je ne me trompe pas. D'accord. Je suis contente de vous voir depuis quelque temps. Merci. J'avais un problème de téléphone. Ok. Et Dieu a restauré votre problème de téléphone. Comment? Ça a été restauré? Oui. Les moments vous font du bien? Comment? Les cultes vous font du bien? Oui. Excusez-moi, il y a mon fils qui fait du bruit, c'est pour ça. C'est pour ça que je... Non, c'est pas grave. C'est normal. J'ai pris que Dieu donne l'onction des fils, toutes les femmes qui cherchent les enfants ici au nom de Jésus. Oui, amen. Je suis content de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Shaglo Vahadiya. Donc, la foi a la capacité de nous défendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est écrit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Église, vous devez comprendre que la foi est un élément primaire, précaire, important, crucial dans la marche avec Dieu. Ce soir, quand je parlerai de la foi, j'ai envie de vous parler de l'importance de la foi dans les opérations spirituelles. Oh,
Dis à quelqu'un l'importance de la foi dans les opérations spirituelles. Dis-le lui, s'il te plaît. L'importance de la foi dans les opérations spirituelles. L'importance de la foi dans les opérations spirituelles. Vous savez, la foi est un élément que l'on retrouve partout. Quand je dis partout, fleuris ma fille, que Dieu te bénisse. Quand je dis partout, je fais allusion et en Christ et hors Christ. Donc, les chrétiens ont la foi. Les païens aussi ont la foi. Les païens aussi ont la foi. Les sorciers aussi ont la foi. Dans le domaine de la sorcellerie, ici, on retrouve la foi. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre que la foi est au centre, est l'un des, c'est le noyau, c'est l'atome crucial de toutes les opérations dans le règne spirituel. Si quand vous voulez opérer, vous n'avez pas la foi, ce dont vous faites ne va pas produire de fruits. À plusieurs reprises ici, ça m'arrive de vous donner des manières de prier qu'on appelle des rituels ou des actions prophétiques. Il arrivait ici, j'ai dit à certaines personnes, priez comme ça, avec du miel, faites ça, faites ça. Comprenez que toute opération ou toute transaction spirituelle qui ne repose pas sur le facteur de la foi est une perte de temps. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce que je dirais peut-être va choquer, mais c'est biblique. Tout chrétien a deux foi. Je vais m'expliquer quand je dis deux foi. Il y a la foi en Dieu et il y a la foi en Dieu à travers notre homme de Dieu. Bon, en fait, c'est une foi, c'est une seule foi qui a des étapes. Dans le règne dans lequel nous vivons actuellement, il y a des gens qui sont des passerelles entre Dieu et le peuple. Et si vous voulez voir Dieu, vous devez croire en Dieu au travers de ces personnes-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit, je paraphrase, voyez vos, je paraphrase, vos pasteurs comme des hommes saints. On demande de voir les hommes de Dieu comme saints, comme sacrés. Pourquoi? Parce que à tout ce qui est sacré, on y ajoute le facteur de la foi. Je vais vous poser une question simple. Ça peut déjà être arrivé à certaines personnes. Qui a déjà vu le pape en culotte? Si tu es là, tu as déjà vu, tu peux dire moi. Le pape. T'as dit, tu as vu le pape en culotte décontracté. Ok. Tu as vu les pieds du pape, les mollets du pape. Tu as déjà vu ça? Pour vous qui êtes des ex-catholiques là, on laisse. Qui a déjà vu le président Macron, hein, celui qui est actuellement là-bas, en culotte? Je ne sais pas si on le montre en culotte. Hein. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu. Ou en tricot. Pas qu'il n'importe pas. Il importe. Mais le jour où il portera cela, il s'exposera sur la place publique, qu'on le veuille ou pas, ça va désacraliser sa personne directement dans la tête des gens. Il y a des choses que les hommes de Dieu font ou que des personnes élevées font, qu'on ne peut jamais montrer au public. Pas qu'on ne veut pas, mais parce que les responsabilités qui nous incombent nous les empêchent. Et si on vient un jour à le faire, on va détruire la vie des personnes qui croient en nous. Et vous devez comprendre que la foi en un homme de Dieu
ou la foi en Dieu au travers un homme de Dieu s'entretient par des limites. Par des limites. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais j'y arrive. Si vous avez accès, il faut une certaine dimension de maturité, d'avoir accès à l'intimité d'un homme de Dieu et là, de toujours respecter cette personne et l'avoir comme sacrée. C'est donné à des rares personnes, sinon que des fils, et même là, des rares fils. Ce sont les personnes qui ont la notion du sacré. Pourquoi Église? Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on dit la foi vient de ce que l'on entend, entendre là, ce n'est pas seulement les oreilles. Même si la fonction première, c'est l'oreille. Mais on n'entend pas seulement par l'oreille. Est-ce que les esprits m'entendent ici? On n'entend pas que par l'oreille. Parce que si tu dis qu'on entend seulement par les oreilles, je m'en vais te poser la question, comment les sourds font pour entendre? Parce qu'ils sont sourds. Il y a des sourds avec qui on communique. Oui, ils n'entendent pas des oreilles, mais ils entendent un autre langage. Quand la Bible dit « la foi vient de ce que l'on entend », la Bible parle des moyens ou des canaux de communication par lesquels on peut véhiculer un message. Tu ne me comprends pas. Donc, ça veut dire quoi? Si tu es sourd, je peux ne pas parler de par ma bouche. Au travers la langue des signes, tu vas me comprendre et tu vas entendre ce que je vais te dire. Donc, la foi s'entretient par nos cinq sens. Et là, je parle simplement sur la foi par rapport à un homme de Dieu. Par rapport à moi qui suis le père de plusieurs. Donc, c'est ce qui veut dire que vous devez regarder les sacrificateurs comme saints. Et je vous assure, même Jésus a été confronté à cela. Pendant qu'il alla, je crois, en Nazareth, Jésus de Nazareth, il partit en Nazareth. Il a essayé de faire des miracles. La Bible dit que ça n'a pas marché. Il a fait quelques-uns. Et on dit pourquoi ça n'a pas marché à cause de leur incrédulité. Parce qu'il dit, n'est-ce pas le fils de Marie, dont Joseph est le père, le charpentier? La façon dont tu vois ton nom de Dieu détermine ce que tu reçois de lui. Il faudra déjà comprendre ça. Hein? Ainsi, ça s'applique aussi à Dieu. J'aime cette soirée parce qu'on est très calme. La façon dont tu vois Dieu détermine ce que tu recevras de lui. Il y a des personnes, excusez-moi de le dire, vous ne verrez jamais Dieu autrement que si c'est l'un Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez mis dans votre esprit que Dieu est Dieu. Il y a des gens qui voient Dieu comme Dieu. Je ne comprends pas comment ils font. Il y a des gens qui voient Dieu comme Dieu. Ça veut dire même quand il prie, ou quand elle prie cette personne, en fait, elle montre à l'extérieur d'elle que pour elle, Dieu est très loin. Il est dans les cieux, il est loin. Il n'y a pas cette relation paternelle de père, fils ou fille. Et c'est ce qui fait que la façon dont tu vois Dieu détermine ton niveau de foi et aussi les conséquences des résultats à tes prières. D'où une personne qui voit Dieu comme Dieu et une personne qui voit Dieu comme son père, les deux prient, les deux n'auront pas la même attitude et les deux n'auront pas le même ou les mêmes résultats.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faudrait comprendre ces choses. Je vous assure que la spiritualité est très simple. Maintenant, c'est ce qui fait que vous allez voir, il y a des choses pour lesquelles, je sais que ça peut varier en fonction des cas, mais je ne cesserai de prendre cet exemple. Pas que c'est le meilleur exemple, mais c'est juste pour que vous compreniez. Parmi nous ici, il y a des gens qui, comme moi, ne sont pas nés à Jérusalem. Il y a des gens qui, comme moi, ne sont pas tombés du ciel. Ils sont passés par des épreuves. Et parmi ces épreuves, il y a d'aucuns qui ont connu la route d'un marabout, d'un charlatan, d'un féticheur, d'un ganga. Et ces personnes vous diront, quand elles vont chez les gangas, ou quand on part chez un ganga, bon, moi, je ne suis jamais allé. Quand on va chez un ganga, elles vous diront que l'aspect du ganga ou du marabout, sa façon de faire, fait peur. Et pourtant, il y a des choses qu'ils font qui sont très simples, très banales. Mais ils vont toujours sortir un aspect mystique là. Ils vont vous mystifier. Pourquoi? C'est pour éveiller en vous le sacré. Et c'est pour susciter la foi. Quand on a une conscience du sacré, automatiquement, on a la crainte. Et automatiquement, il y a ce qu'on appelle la foi qui s'installe. La foi s'installe. C'était juste un exemple. C'est la raison pour laquelle dans certains textes bibliques, Jésus se plaint, Dieu se plaint. Il dit, ce peuple, mon ordre d'élève, leur cœur est éloigné de moi. Ce peuple ne me respecte pas. Ils ne sont pas, ils n'ont pas le sacré de ma personne. Le sacré est important. Je ferme cela. Je reviens maintenant sur ma contextualisation par rapport à la foi. Pourquoi il est important d'avoir la foi? Parce que la foi vous donne d'opérer dans nos règnes spirituels. On part dans la chronologie. On a parlé de la ceinture, de la cuirasse, du zèle. Maintenant, on parle de la foi, qui est un bouclier. La foi vous donne d'opérer. Une personne qui n'a pas la foi prendra toutes les actions, toutes les paroles comme étant naturelles. C'est-à-dire pour elle, elle prendra tout à la rigolade, à la blague, au naturel. Elle ne saura pas faire la distinction entre les choses, Luce, ma fille, les choses spirituelles, les choses qui sont des recommandations divines et des choses qui sont du naturel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, excusez-moi, il y a certaines personnes dont je n'aime pas. Moi, je ne comprends pas nos frères africains. Il y a certaines personnes... À un moment donné, c'est-à-dire, on était au Gabon ou en Afrique, il y a eu ce sacré-là pour les hommes de Dieu. Tu es allé aux États-Unis, tu es allé en France, tu penses que les hommes de Dieu sont déjà tes amis. Il y a des gens comme ça, j'en ai rencontré. La façon dont il te parle, tu as l'impression que tu es devenu son ami, mais c'est parce que tu es moins âgé que lui, ou je ne sais pas quoi. Église, méfiez-vous d'une personne qu'on dit homme de Dieu, qu'elle soit vraie, qu'elle soit fausse, méfiez-vous. Et la crainte envers ces hommes, parce qu'on ne va pas se mentir. Tu peux entendre Dieu audiblement, tu peux voir Dieu audiblement. Un homme de Dieu a, entend, vit des choses que tu ne vivras jamais. Quand on dit homme de Dieu, c'est quelqu'un sur qui l'huile est tombée. Quelqu'un qui a reçu l'appel de Dieu, quel que soit son âge, il voit, entend, fait des choses que tu n'entendras pas ou ne feras jamais. Même si tu vois plus que lui, mais la façon dont la main de Dieu est sur lui n'est pas la même
dans la main de Dieu et sur toi. Il ne faudrait pas oublier ces choses. Dieu utilisait Aaron, Dieu utilisait Myriam. Les deux ont parlé de Moïse et Dieu les a frappés. Dieu a frappé Myriam. Et pourtant, tous étaient des serviteurs, surtout Aaron. Pourquoi Dieu n'a pas dit non? On a critiqué Moïse. Dieu s'est énervé. Le sacré, au travers de la notion de la foi, nous facilite les opérations spirituelles. Oh mon Dieu, dis à quelqu'un le sacré. Tape en commentaire et dis à une personne le sacré. Dis-le lui s'il te plaît. Le sacré, c'est important. Bon, maintenant, je vais encore aller afin d'être plus explicite. Une personne qui n'a pas le sacré aura du mal à opérer dans l'esprit. Anouchka, je vais prendre un exemple. Hein. Regardez. Deux choses. Deux personnes. Les deux ont leur enfant qui est malade. Ça peut être le garçon, ça peut être la fille. Donc, les deux ont un enfant. Non, une femme. L'autre s'appelle Jeanne. L'autre s'appelle Agathe. Agathe a un fils. Jeanne a un fils. Les deux enfants sont malades. Comprenez-moi bien. Et les deux viennent voir l'homme de Dieu. Parmi les deux, il y a une qui a la notion du sacré. Elle respecte tellement le sacré au point que elle s'est dit, prophète, dites seulement un mot. Vous allez voir comment c'est très subtil. Donc, chez une, chez Jeanne, le prophète dit, je déclare que ta fille soit guérie, sans protocole. Parce qu'elle a la notion du sacré, elle se saisit de cette parole. Vous allez voir que le sacré engendre directement une foi inébranlable. Ça va de pair. Le prophète n'a pas fait beaucoup de mots, que ta fille soit guérie, ou ton fils. Elle respecte l'homme de Dieu. Automatiquement, la fille ou le fils est guéri. Mais regardez l'autre. L'autre aussi a la notion du sacré, mais c'est particulier. Pour elle, dans sa tête, il faudrait que l'homme de Dieu vienne imposer les mains. Vous voyez comment elle-même, elle s'est mis une fixette, un frein. D'où si l'homme de Dieu lui dit, va, ton fils est guéri, elle va dire amen juste pour dire amen. Les deux ont la foi. Mais il y a une chez qui elle a tellement la notion du sacré que sa foi est très tangible. Or, l'autre, elle a la foi, mais pour elle, elle doit voir d'abord des actions. Ce qui fait qu'elle va dire, non, prophète, venez prier. Donc, si le prophète dit, ta fille est guérie, elle va juste dire amen pour plaire, parce qu'on doit dire amen. Mais pour elle, elle va bouder dans son cœur. Il n'a même pas prié, il n'a même pas prophétisé, il n'a même pas dit d'où vient le problème. Il dit seulement ça comme ça. Et elle va commencer à tutuber. Et à l'instant où elle tutube, ça met en doute le sacré qu'elle a pour l'homme de Dieu. Et automatiquement, ça touche sa foi. Et même si Dieu voulait opérer, l'opération ne se fera plus. La même action, mais des résultats différents. À cause de quoi? Des prédispositions des personnes. Je ne sais pas si les esprits m'ont. Je ne sais pas si les esprits me comprennent ici.
des prédispositions différentes. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez élever votre esprit. Je vais plus loin. Je vais plus loin. Et je vais toucher le domaine sensible de certaines personnes. Vous allez voir, il y a des gens... Vous allez voir, il y a des gens qui ont un souci. On va guérir votre enfant tout de suite. Qui a un souci avec la dîme. Prophète, j'ai envie de donner avec les offrandes, avec les dons. Mais elles ne le font pas. Pas qu'elles manquent d'envie, non. Pas qu'elles manquent de possibilités, non. C'est juste que pour elles, elles se disent, trop peu, si j'enlève, qu'est-ce qui va me rester? C'est petit. Et en fait, il y a trop des justificatifs, je crois on dit ça, qui passent, qui font en sorte qu'elles se résignent de donner. Et parfois, elles trouvent, merci des raisonnements, elles trouvent, elles se convainc elles-mêmes en disant « le mois prochain, je vais donner, le mois prochain, la semaine prochaine ». Et à chaque fois que ça arrive, ça, elle ne le fait pas. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au fond de cette personne, il manque assez de foi pour lui faire comprendre que le Dieu qui t'a donné est capable de te redonner demain. Et c'est ce qui fait que dans les églises, plus on avance, on a des problèmes des miracles financiers. Les miracles financiers sont rares. C'est très rare. Parce que la logique des hommes veut à tout prix s'incruster dans toutes les transactions humanoïdes. Or, comprenez cela une bonne fois pour toutes. Dieu n'opère pas sur la logique des hommes. Dieu n'agit pas sur la logique des hommes. Dieu n'agit pas là-dessus. Un homme qui veut vivre le miracle, une femme qui veut vivre le miracle avec Dieu, c'est une femme ou c'est un homme qui doit impérativement être quelqu'un d'une certaine hauteur d'esprit. Vous voyez, quand je dis impérativement, c'est ceci. Quand je dis impérativement, c'est... Vous voyez, dans les Écritures, il est écrit que la sagesse des dieux, de Dieu est une folie pour les hommes. Donc, ceux que Dieu appelle un sage sont des hommes fous. J'ouvre la parenthèse que je ferme automatiquement. Je n'ai jamais cru que être sage, c'est comme on nous montre chez nous là, et que le sage ne parle pas beaucoup. Il est calme, il est tempéré, il est doux. Oh mon fils, sois sage. Excusez-moi, c'est n'importe quoi. Non, non. Il y a des choses, quand j'y regarde, ça m'écœure. Donc, quelqu'un qui est sage ne se comporte pas comme ça. Non. Écoutez, allons-y voir l'homme le plus sage de la terre, Jésus. Jésus a insulté les gens. Race de vipères, espèce d'incrédule. Si on prend Jésus, on le ramène en notre temps, on va traiter Jésus d'impoli. Non, on va traiter Jésus d'impoli. Bon, quand je dis insulté, c'est trop dit. Il avait des qualificatifs vraiment forts. Il défiait des gens. Il défiait des docteurs, des scribes, des pharisiens, des gens qui sont plus âgés que lui. Mais nous, dans cette génération-là, et ça ne date pas de maintenant, c'est depuis... Tu vois, les pères et certaines personnes, non, fils, sois sage. Un homme ne parle pas comme ça. Oh, sois sage. C'est écrit où? Que la sagesse est égale à la tempérance, à la douceur, au fait d'être là, tu es sain, ni touche. Et quand tu parles, non, écoute, quelqu'un a péché. Tu lui dis, tu as péché. Tu te bases seulement à être tempérant, à le lui dire. Dans l'amour. C'est ça ton rôle, de lui dire dans l'amour. Mais on a une espèce de sagesse là masquée avec les choses de... Je ne comprends pas.
Les choses de Dieu sont une folie pour les hommes. Bon, prenons un exemple biblique. Gédéon. Dieu manda Gédéon afin d'aller détruire les autels des familles. Gédéon. Si c'était un autre temps, tu devais entendre, non, fils, sois sage. Ces genres de choses, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Même si le fils dit, papa, Dieu m'a dit. Non, Dieu t'a dit, mais ce n'est pas comme ça. Tu vois les barbares là, tu vas aller détruire les choses. Non, il faut être sage. Hein? Gédéon est parti, il a détruit les autels de Baal. Il a bâti des autels de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit, c'est Dieu qui lui a mandaté. Qui l'a mandaté. Il n'y avait pas question de soi sage là. La question qu'on se pose, Jean-Baptiste, était-il sage? La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Il y a des moments où les hommes pensent qu'être sage, c'est être calme. Quand on lit tous les hommes qui ont travaillé avec Dieu, moi, je crois qu'ils étaient sages à leur manière. Regardez Jérémie. Jérémie est l'un des prophètes qui avait une audace compliquée. Jérémie, c'était un prophète des prisons. Il avait l'audace compliquée, cet homme-là. Regardez Esaïe. Quelqu'un qui marche nu toute la ville. Donc, si c'était un autre temps, ça, ce n'est pas un homme de Dieu, c'est un faux prophète. Un homme de Dieu ne peut pas marcher nu comme ça toute la ville. Était-il insensé ou était-il sage? Alors, redéfinissons la sagesse. La sagesse, ce n'est pas le conformisme à tout ce que les hommes pensent et le fait de plaire aux hommes. La sagesse commence par l'obéissance. Et c'est écrit dans la Bible. L'obéissance ou la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors, si ce que tu me dis n'a pas pour objectif d'obéir à Dieu, alors ce n'est pas sage. Donc, toute parole qui n'a pas pour objectif d'obéir à la voix ou à la parole de Dieu, excusez-moi, je m'appelle prophète Asaph Emel, fils unique de son père, et je vous dis, ce n'est pas sage. Même si ça vient d'un ancêtre, d'un patriarche, ce n'est pas sage. Parce que la sagesse de Dieu ne vient pas pour plaire aux hommes. Toute sagesse de Dieu n'a qu'un seul objectif, accomplir les desseins de Dieu pour une saison, une génération. Oh oui. La mort même de Jean-Baptiste était prophétique. Le fait qu'Isaïe prophétise nu était prophétique. Il y a un homme, je crois que c'est Jonas ou c'est Osée, le prophète Osée. Dieu envoie le prophète Osée épouser une prostituée. Je crois que ça doit être Osée. Si je me trompe, corrigez-moi. Dieu envoie le prophète Osée épouser une prostituée. Imaginez là où je suis là. Il y a une prostituée qui est connue dans le monde entier. Tout le monde sait que celle-là, c'est une prostituée. Et moi, j'ai dit, Dieu m'envoie épouser cette femme-là. Imaginez le scandale. Les gens vont imaginer beaucoup de choses. Le prophète est pervers. Le prophète va... Les gens vont imaginer beaucoup de choses. Donc, essayez d'imaginer oser. Prophète de son état. Ça m'amène à vous dire, les histoires des Alléluia et des Amen, ce n'est pas une histoire de foule, c'est une histoire de solitude, de seul à seul avec Dieu. Dieu te parle, tu seras toujours seul. Ne cherche pas ce que la voix, que les révélations que Dieu t'a dit coïncident avec ce que d'autres aussi ont reçu. Non, non. Quand tu es né, tu n'es pas né avec quelqu'un. Même les jumeaux ne sont pas sortis ensemble. Chacun a eu son tour de passage à la porte. Les deux ne sont pas sortis au même moment. Chacun est passé à son tour par la porte. C'est pour dire que quand Dieu nous appelle, chacun de nous entend la voix de Dieu en fonction de son appel et a un message en fonction de son appel. Ça, c'est les choses du Saint-Esprit où il est en train de dévier mon message. Mais c'est pour que vous compreniez une chose. Dans les opérations spirituelles, la foi est un élément prépondérant.
Je vais prendre un exemple. Si je te dis, prends de cette eau, voilà, et tu seras guéri. Si tu n'as pas... Si tu n'as pas la foi de comprendre que l'eau que le prophète m'a donnée n'est plus naturelle, tu vas boire cette eau comme tout le monde boit. Et rien ne va se passer. J'ai toujours dit, qu'est-ce qui fait en sorte que un sorcier peut être là, il boit, ou il mange du pain. Et pendant qu'il mange du pain, il prend un bout de pain, il donne ça à un enfant, l'enfant mange, et après que l'enfant ait fini de manger, automatiquement l'enfant a la sorcellerie. C'est dû à quoi? C'est parce que celui qui opère a une haute dimension de spiritualité et de conscience des choses spirituelles au point où il sait, je peux transférer ma sorcellerie au travers quelque chose qui se mange. Il sait que bon, il n'a pas besoin de faire trop des rituels. Il attrape, il te dit tiens, il a déjà déchargé toute la substance proportionnelle de la sorcellerie à l'intérieur. Quand toi, tu prends, tu manges, automatiquement, tu es sorcier. C'est la conscience, la foi, le sacré. Et je chute ici. Pourquoi la foi est importante? Sans la foi, les prières sont vaines. Il y a des gens, quand on dit, regardez, à chaque fois, je sens dans mon esprit qu'on doit redéfinir là. On doit vraiment redéfinir la prière. On doit vraiment redéfinir la prière. Il y a des gens qui prient, mais pendant qu'ils prient, il ou elle a l'esprit ailleurs. Et elle se plaint que, papa, mes prières ne sont pas exaucées. Mais tes prières ne peuvent pas être exaucées si pendant que tu pries pour la guérison, tu es en train de penser à la nourriture qui est au feu. Parce que la foi est du domaine, je vous ai dit, la foi est du domaine de l'esprit. Or, les paroles de l'esprit, c'est les pensées. Tu ne peux pas vouloir que Dieu guérisse, Dieu restaure, si les pensées, donc la bouche de ton esprit, sont en train de crier « j'ai faim ». C'est-à-dire, les pensées sont en train de crier « j'ai faim ». Et tu te convaincs que tu es en train de prier. Tu ne pries pas. Et je vais vous choquer. Prier, ce n'est pas ouvrir la bouche et dire « Seigneur, je veux ». Non, ce n'est pas ça la prière. La prière est un état de concentration, esprit, âme et corps. D'où dans Matthieu 6, je crois, il est dit « Va dans le lieu secret, dans ta chambre ferme et ton Père qui est là. » Le lieu secret est une dimension d'esprit. Je te choque. Si tu dis, tu pries et tu as les pensées ailleurs, en train de penser au bac, aux examens, en train de penser au rendez-vous, en train de penser à la nourriture, excuse-moi, tu ne pries pas, tu perds le temps. Oh. Lève-toi, va vaquer à tes occupations. Parce que tu n'es pas en train de prier. C'est une perte de temps. Je t'ai dit, c'est une perte de temps. Il faut dire à ton voisin, c'est une perte de temps. Dis à ton voisin, c'est une perte de temps. Prophète, Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne m'exauce pas. Papa, Dieu ne m'exauce pas. Mais tu pries comment? Tu pries comment? Il y a des gens, je vous explique comment la foi fonctionne. Il y a des gens... Elle est en train de prier. Dieu, donne-moi les finances. Papa, ouvre-moi les finances. Mais pendant qu'elle prie là, elle est encore en train de dire, ah, dans son esprit, ah, je vais me lever là. Je vais me lever là. Toute la journée, je n'ai même pas 100 francs.
C'est toi qui pries pour les finances, mais dans ton esprit, tu penses l'opposé de ce que tu demandes à Dieu. Comment tu veux que Dieu t'exauce? Comment? Et il y a beaucoup de gens comme ça. Il est écrit que ce que vous demandez par la prière, si vous croyez, la Bible dit si vous croyez, là, je vous ai dit que la croyance est le facteur de l'intellect. Or, la foi est d'abord avant la croyance. Donc, il te faut d'abord visualiser ça dans ton esprit et après que tu aies visualisé, ça engendre le facteur de la croyance. Et tu crois maintenant que ce que tu as vu dans ton esprit là, au travers de la foi, Dieu te l'accorde. Est-ce que je parle à des esprits? Donc, ça veut dire quoi? Si tu es en train de prier, papa, les finances, papa, l'argent, papa, la santé, dans ton esprit, tu as le mandat de te voir déjà comme guéri, définitivement. Je sens même pendant que je parle de ça, l'onction des guérisons ici. Tu as le mandat de te voir comme guéri définitivement. Écoute, si tu pries pour un malade, ce n'est pas parce que le malade a toujours mal que ça veut dire que ta prière n'est pas exaucée. Ah, oh, j'ai cru que je parlais à Quand tu veux guérir quelqu'un, la guérison ne dépend pas de ce que l'homme ressent. La guérison dépend de ce que toi tu dis et de ce que toi tu y crois. C'est l'une des raisons pour lesquelles moi, quand je prie pour les malades, quand je prie pour toi, même si tu as toujours mal, dans mon esprit, je crois que ma prière est déjà effective. Ce n'est pas parce que tu as mal que ça veut dire mon Dieu ne m'a pas exaucé. Oh non, ce n'est pas ça, Église. Hey, Kabanos, le ciel est en train de s'ouvrir ici. Écoutez. Quand je parle de ça, mon esprit est parti sur Maman Zuba et mon esprit est parti dans la conversation que Maman Julie a eue, je crois si c'était au téléphone ou par message avec une dame, par rapport à une invitation ITS. Et mon esprit est parti là-bas, dans la famille de cette dame-là même, par l'adage, indépendamment de ma volonté. Vous voyez, vous devez comprendre que je reviens à mon message. Vous devez comprendre que si vous n'avez pas cette compréhension des choses, vous allez prier, 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 rien ne va se passer. Papa, j'ai prié, mais mon enfant est toujours malade. Comment tu pries ton enfant est malade? Si tu pries, hein, Agnès Faye, si tu pries avec l'angoisse, avec la peur, c'est normal que ton fils ne soit pas guéri ou ta fille. Si tu parles, tu pries avec la peur, dans l'intention toujours, c'est-à-dire. Pour toi, bon, j'ai pris là, après là, c'est encore la même chose. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, ils prient juste pour se convaincre. Au lieu de croire que c'est déjà exaucé, ils prient. Mais dans son esprit, c'est que bon, où j'ai pris là, après, c'est encore la même chose. Mon ami, tu passes, c'est une perte de temps. Quand tu engages la prière, tu as résolu déjà dans ton esprit que ce pourquoi tu pries sera résolu quand tu diras Amen. Et je vous donne les secrets. Je vous donne les secrets. C'est comme ça que la foi opère. Ça veut dire quoi? Si je décide de prier ici pour un cas de maladie, dans mon esprit, j'ai déjà calé ce cas de maladie comme étant guéri. Je l'ai déjà même vu en train de marcher s'il ne marche pas. S'il ne mange pas, je la vois déjà ou je le vois déjà en train de manger. Et quand c'est déjà mis dans mon esprit, ta, 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 c'est calé. Quand je viens, je peux juste te dire, lève-toi. Je te dis ça sur quelle base? Sur la base de ce que j'ai vu dans mon esprit au travers de la foi. Et j'y ai cru. Il y a d'abord la foi, après il y a la croyance. Ah. Oh. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et je chute ici, vous devez apprendre à passer du temps dans la prière, dans le but de voir Dieu. Et même là encore, qu'est-ce qui fait en sorte que plusieurs prient et ne voient pas Dieu? C'est parce que plusieurs prient pour se convaincre, juste pour dire j'ai prié. Il y a des gens qui ne croient pas que si je prie, Dieu peut me parler, je peux voir Dieu.
Il y a des gens qui prient juste pour se convaincre. Le prophète a dit, c'est le jeûne, on doit prier. Oh, là-bas. Ah, Seigneur, Seigneur, oh, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et confondre les émotions avec les réalités. Donc, pendant qu'elle dit Seigneur, là, elle pense à la dispute qu'elle a eue avec son mari, elle pense sur le divorce, ça remonte les émotions, elle est en train de pleurer. Seigneur, tu peux te dire que là, elle voit Dieu, c'est faux. Elle pense aux blessures émotionnelles qui l'emmènent à pleurer. Et on se dit pourquoi Dieu n'agit pas. Elle pense aux enfants qui n'ont pas mangé. Seigneur, oh, les enfants n'ont pas mangé. Père, agis. Ah, Dieu, oh. Les histoires de l'église, là, il y a les bons scriptures, vraiment. Et vous assurez, si Dieu peut nous faire voir les prières des gens dans l'oreille spirituelle, on va rire fatigué. C'est les sketchs. Et même Dieu nous regarde parfois, il rit. Seigneur, je veux te voir. Quand tu dis Seigneur, je veux te voir, même si tu as faim, ça fait 2 ans que tu n'as pas mangé, oublie la faim. Tu as dit Seigneur, je veux te voir. Maintenant, si tu sens que tu as faim, ne dis pas Seigneur, je veux te voir. Dis Seigneur, je veux manger. Donne-moi à manger. Et tu crois que Dieu te donne à manger même à l'instant quand tu termines là. Il y a aussi un autre phénomène. Il y a des gens, elles veulent le pain, mais elles prient pour que Dieu puisse lui donner le manioc. Or, dans son esprit, c'est le pain qu'elle veut. C'est paradoxal. Et elle veut se convaincre qu'elle a besoin du manioc. Or, c'est le pain que tu veux. Si tu veux le pain, dis à Dieu, je veux le pain. Est-ce que je peux vous choquer? Je peux parler ici? Bon, ce que je vais dire, ce sera choquant. Mais je le dis quand même. Il y a des gens. Seigneur, aide-moi. Bon, c'est une bonne prière. C'est une bonne prière. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas pécher. Papa, la tentation. Éloigne la tentation de moi. Oh Dieu, je ne veux pas. Je suis sûr. Il y a des gens qui disent à Dieu, je ne veux pas pécher. Or, dans leur fond intérieur, elles veulent. Tu mens. C'est un mensonge. Vaut mieux dire, papa, là où tu me vois, là, j'ai envie de pécher. Je veux pécher. Mais s'il te plaît, je suis faible. Aide-moi de ne pas le faire. Éloigne de moi la tentation. Mais ne dis pas, Seigneur, je n'ai pas envie de pécher. Or, ton corps, ton âme est prédisposée à le faire. C'est un mensonge. Donc, tu te mens à toi-même. Parce que même à l'instant où tu es en train de prier là, tu as déjà les pensées ailleurs. Quand maman va sortir, elle a laissé l'argent dans le sac là. Oh Seigneur, je n'ai pas envie de pécher. Papa, je n'ai pas envie. Mais je suis en train de calculer que si maman sort à 12 heures, bon, le plus aurait fait 30 minutes dehors. Donc, 5 minutes plus tard, je rentre, je chippe un peu. Et après, je sors, je vais à l'école. Comme ça, si on démonte, j'aurai l'excuse que tu as déjà tout calculé dans ton esprit. Mais c'est toi qui dis, Seigneur, je ne veux pas. Non. Tu veux. Oh non, je vous ai dit, je vais vous choquer. On n'est pas obligé, on n'est pas habitué d'entendre ça. Et c'est ce qui se passe dans nos esprits. Nous tous là, on sait. Déjà arrivé une fois à quelqu'un. Tu as envie de pécher, ne dis pas Seigneur, je ne veux pas. Non. Dis Père, là où tu me vois, j'ai envie de pécher. Aide-moi à ne pas le faire. Là au moins, Dieu sait que tu es faible. C'est ce qui a fait la force de David. Vous pensez que Dieu appelle l'homme, David, l'homme selon son cœur. Pourquoi? David était vrai devant Dieu. David était vrai devant Dieu. Donc, quand tu pries comme ça, là maintenant, Dieu voit combien de fois tu es faible et combien de fois tu as besoin de son intervention. Et c'est là où tu peux commencer à voir le dégoût. Tu voulais faire quelque chose de pas bien. Le dégoût commence à naître. Ou une occupation vient. Quelqu'un t'appelle. Et puis, bam, tu pars, tu oublies. Parce que tu as dit à Dieu, je suis faible, aide-moi. Tout
part de quoi? De la liaison entre ce qui sort de ta bouche et ton esprit et la foi sur ce que tu dis. Papa, je suis faible. Là où je suis là, si tu n'agis pas, je vais pécher. Mais je sais et je crois que tu as la capacité de me faire sortir de là. S'il te plaît, papa, je suis faible, mais j'appelle à ton intervention. Dans mon esprit, je suis prédisposé à tout faire, mais j'appelle à ton intervention. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas faire ça. Ce qui est déplorable, c'est que même les hommes de Dieu, tout le monde fait ça. Ils n'auront pas le courage de le dire. Mais au fond intérieur, tu sais. Et même là où je parle, il y a des gens qui ont déjà prévu, il y a des choses, vous vous reconnaissez. C'est comme la triche à l'école hein, pour les étudiants. Là. Et le plus souvent, quand on est face à ça, on n'a qu'un seul désir. C'est déjà de vite faire la chose et après de venir dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. On veut déjà vite faire. C'est-à-dire, on se dit, bon, peut-être chap-chap. Après, je reviens vite. Papa, pardonne-moi. J'ai déjà fait, j'ai déjà eu ce que je voulais. Après, j'ai dit, pardonne-moi. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tu as volé l'argent. Tu es déjà parti vite dépenser. Parce que tu sais que si tu dépenses, tu n'auras pas le temps de rendre. Après, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. De toi à moi. Oh bon, je lui ai dit vraiment que Dieu nous aide. Apprenons à être à nu et vrai devant Dieu. Ça va simplement enclencher rapidement le miracle. Ça va enclencher rapidement notre dimension de foi. Je vous ai parlé ce soir sur la foi, le bouclier de la foi. Il reste le casque du salut et l'épée. Nous parlerons sûrement après les moments de prière. Demain, nous aurons les moments de prière. À 3 heures, connectez-vous. 3 heures de ce matin-là, c'était fort. Hein? Ah ça, vraiment que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les personnes, activer les micros, acclamer pour les personnes qui se sont connectées à 3 heures. Vraiment, aujourd'hui là, 3 heures de ce matin-là, j'ai senti que les gens étaient loin. Que Dieu vous bénisse. À peine ces 2-3 voix des gens que j'écoutais. Il y avait Maman Julie, il y avait Anouchka, il y avait encore 2 ou 3 autres personnes. Le reste, là, je me posais la question, est-ce que ces personnes étaient là? C'est facile pour moi de savoir, de reconnaître les dormeurs. Quand on dit que Dieu vous bénisse là, je ne me déconnecte pas du coup. J'attends la fin. Je laisse encore 10 minutes. Je vois ceux qui ne se sont pas déconnectés là. Là, je sais que voilà, aujourd'hui, on avait 5 dormeurs. Hein, Luce, ma fille? Aujourd'hui, on avait 5 dormeurs. Donc, je crois que dans bientôt, on va déjà faire les annonces sur les dormeurs de 3 heures. Là. On va prendre vos noms, comme ça, le soir, comme ça, là, on dit, bon, pour la prière des 3 heures, il y avait 5 dormeurs, parmi lesquels on cite les noms. J'ai conscience que ce n'était pas facile. Et surtout la journée de dimanche, c'était pas facile. Je loue déjà le courage et la force de certains de se connecter. Donc, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Donc, on se dit 3 heures là. Levons-nous en prière. Donc, à partir de demain matin à 3 heures, quand je dis c'est la prière, ça ne veut pas dire qu'on sèche. On va prier. Demain, on prie. Demain soir, encore, on prie. Donc, demain, après demain, il n'y aura pas d'enseignement. Peut-être quelques exhortations.
Après, on commence la prière. Si vous êtes sur Facebook, il n'y aura pas de Facebook. Si vous m'entendez actuellement sur Facebook, nous serons simplement sur Zoom. Ce sera juste les moments de prière. Ce sera juste les moments de prière demain. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous. Demain, c'est la prière. Après-demain, jusqu'à pratiquement samedi, dimanche, ce seront des moments, ce sera des prières. Quand je reviens maintenant, quand nous revenons maintenant, on va rentrer dans la sorcellerie. Et demain, on va prier que Dieu nous équipe, toute cette semaine, Dieu nous équipe la ceinture de la vérité, que Dieu brise en nous toutes les failles. C'est ça. Ces moments de prière auront pour but que Dieu ouvre notre ciel, qu'il brise en nous les failles, qu'il ferme en nous. C'est-à-dire, si tu sais que toi, tu as des défauts qui peuvent créer une ouverture, les amis, je vous assure, quand on va parler de la sorcellerie, je ne veux pas ici que quelqu'un me dise que, oh, ou j'apprenne que quelqu'un est à l'hôpital interné. Parce qu'il y aura des répercussions graves. Si toi, tu n'es pas solide, avant d'aller attaquer les familles des gens, il y a des familles là où il y a des marabouts dans vos familles, il y a des familles là où il y a des sorciers compliqués dans vos familles. Donc, quand tu vas aller bouger les choses là, il faudrait que tu sois solide. Et le jeûne va prendre une autre proportion. Donc, quand tu te lèves là, tu pries là, c'est pour toi. Et si tu choisis aussi de ne pas te réveiller pour prier ou de ne plus te connecter à la prière le soir parce que le prophète a dit c'est la prière, ah, mon frère, ça n'engage que toi. Mais nous, on va prier sérieusement. Et si j'entends qu'il y a des choses, je vais te poser la question. Est-ce que tu étais à la prière matin, soir? Tu dormais ou j'étais éveillé? Si tu me manges, j'ouvre mes yeux. Je vais t'expliquer même les choses que tu as faites. Et si je découvre que tu n'étais pas là, je vais te dire, ça va aller. Ah ben, parce que si, pour une personne qui a assisté du début à la fin, qui était là, qui a vraiment l'esprit dans le programme auquel nous sommes en train de faire, vous-même, vous allez remarquer que votre esprit est à un autre niveau. Si tu es là, tu es concentré. Normalement, ton esprit déjà monte à une autre dimension. Tu n'as plus le même niveau d'esprit que quand tu étais au début. Seulement par les moments de prière, la présence de Dieu, la recherche. Et quand on va dire, bon, là maintenant, Mandoki, ça c'est en lingala. Bon, là maintenant, les sorciers de la famille, quand on va bombarder les sorciers de la famille, là, ça va être grave. Et si tu es mélancolique, il faut prier pour que Dieu t'aide. Parce que si le sorcier, c'est ta mère, la sorcière, si c'est ta mère, c'est ton père, il faut préparer déjà des fleurs. On va prier. Donc, allez, let's be sandal. Oh my God. Donc, voici ce que j'avais à donner. Oh my God. Je m'excuse. Excusez-moi. Excusez-moi. Je m'excuse. Ok, nous nous reverrons demain pour les moments de prière. Vous êtes malade, touchez votre enfant qui est malade. Peu importe la maladie, touchez votre enfant qui est malade. Touchez votre enfant. Vous avez mal au ventre, mal au sein, mal au bas-ventre, quel que soit. Touchez l'enfant, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tes fils, je prie pour tes filles, je prie pour toutes les personnes malades. C'est toi qui guéris, c'est toi qui transformes. La Bible déclare que par tes meurtrissures, nous avons été guéris.
Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les personnes sous l'écho de ma voix qui se voient être malades, que ce soit les fils, les filles ou les personnes, les enfants de la maison, j'impose à l'instant où je parle une restauration immédiate, une guérison totale dans le nom de Jésus. Je décrète et je déclare, Père, que tu guérisses en profondeur toutes ces personnes. Maladie, je t'ordonne de libérer au nom de Jésus. Je t'ordonne de libérer au nom de Jésus. Je déclare que dès ce soir, là où il y avait des fièvres, les fièvres s'arrêtent. OK. Là où des gens sont enrhumés, que cela s'arrête. Là où il y avait un taux de sucre, diabète, cancer, quelles que soient les maladies, douleurs de côlon, perles, quelles que soient les douleurs de bas-ventre, j'ordonne la restauration. S'il y a une femme ici qui n'a pas vu ses menstrues depuis un moment, j'ordonne maintenant que cela revienne à l'instant où je parle. Je déclare, tu guéris toutes les personnes sous l'écho de ma voix. Maintenant, parce que tu es le Dieu qui guérit. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Vous avez votre offrande. Prenez-la. Et nous allons prier. Nous venons de 6h à 15h. Et n'oubliez pas les instructions qui avaient été données. Si vous êtes une nouvelle personne et que vous n'êtes pas dans le groupe de l'Église, il vous suffit d'envoyer le message au numéro secrétarial qui est juste en bas. Donc, il y a un numéro secrétarial. Envoyez un message et dites, je veux faire partie de l'Église. Et on vous mettra dans notre groupe de l'Église. Vous serez informé en temps et en heure de toutes les activités. Donc, voilà. Sur ce, que mon Dieu vous bénisse. Tu as ton offrande, prends ton offrande. Je vais prier pour toi et je vais te bénir. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour toutes ces offrandes et je prie également pour les personnes qui n'ont pas. Que tu bénisses ceux-là qui ont pourvu au Père à ta maison et que celles-là, ces personnes qui n'ont pas, tu ouvres le ciel dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'honneur et la gloire te reviennent. Nous te recommandons également, Père, cette nuit. Garde-nous, visite-nous, donne-nous la force, Père, au nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous.